Salut à tous, c'est Mister Fanax, Tinjoff, STK, Spiritus Wolfis et puis... Mais c'est hey, tout hey, c'est Frosty. C'est tout en fait. Ah si, Frosty, oui. D'ailleurs, Frosty, tu viens... Ah oui, Frosty, alors Frosty, comme vous pouvez le voir sur mon écran, n'est pas présent sur Roll20, mais il nous entend et c'est Fanax qui va s'occuper de le diriger. Voilà. Voilà. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, on est là pour une partie de jeu de rôle dans l'univers de Dragonia. Ouais, et moi je suis Okino, je joue Okino Tisashi, luminien, rejeté par son peuple. Voilà. Mage noir. Mage noir, voilà. Qui est né dans un peuple plutôt voué à la magie de la lumière. Vous comprenez pourquoi j'ai été rejeté maintenant, voilà. Donc Spiritus Wolfis, aussi. Un bon, putain de loup. Ou Spirit voilà, Wolf, un comme vous voulez. Dont les parents ont décidé de s'enrichir via le commerce. Et puis, comme j'avais envie de vivre une vie d'aventure, et ben, je me suis tiré en mode thug life. C'est un fugueur. Volker voilà. Molten, je sais pas comment on dit, joué par STK, qui n'est pas un membre officiel de la team, mais qui va nous accompagner pour le jeu de rôle. Voilà. Ouais, donc Volker Molten, un demi-nain, donc descendant d'une famille royale naine et d'une prêtresse d'une déesse, qui est la déesse Boréa, se retrouva entre guillemets à devoir fuir son pays car le roi fou commença à massacrer tous les prêtres des religions et se retrouva exilé pendant un certain nombre d'années dans un vieux monastère dans des hautes montagnes et a décidé de quitter ce monastère et tomba sur le groupe. Et en dernier, ouais. Frost. Donc, Blood, voilà, Frost moi... Blood, joué par oui, Frosty. Voilà. Donc, au début j'avais une enfance paisible, donc. Alors que les autres c'était vraiment du thug. Et puis je me suis entraîné à l'art des couteaux. Et comment dire à 15 ans, puisque dans mon pays il y a eu la guerre, on a dû essayer de fuir avec nos parents. Le problème c'est qu'il y a eu des soldats ennemis dans notre maison. Et déjà que mon père était parti à la guerre, donc c'était déjà le bordel. Et ma mère se fit tuer par un des soldats car il croyait que c'était un ennemi. Ensuite, je me cachais en position fœtale. Là, j'ai l'impression en fait je parle tout seul, c'est génial. Non, mais tu présentes. Mais oui, tu te présentes. Ouais, je me suis caché en position fœtale derrière un meuble. J'ai réussi à me faufiler discrètement dans ma cuisine, prendre deux couteaux et les attaquer par derrière avec le couteau, voilà. Et c'est ainsi que débuta son aventure en tant qu'assassin. Voilà. Et tout le monde croyait que c'est moi qui avais tué ma mère parce que j'avais le couteau plein de sang. Donc à l'époque déjà ils avaient pas de machine pour l'ADN et tout. Ils ont donc, toujours pas. Tu sais, on est dans un univers médiéval fantasy. Il y a pas de futuri de. Oui voilà. Donc du coup j'ai été rejeté de mon pays et Tu es tombé sur le groupe. Ma vie en volant et en. Et t'as fini par tomber sur le groupe. Voilà. Et voilà. Parenthèse donc, vous quatre, a priori rien ne vous destinait à vous rencontrer, à part que vous avez tous fui votre pays. Mais donc, Okino lui. L'originalité. Okino lui donc avait traversé la mer. Complètement. Il avait fui le continent où il était né et il était arrivé ici, dans un royaume qui s'appelle le Rentila. Un royaume humain plutôt standard, même s'il est assez primitif. Donc là, l'histoire se passe tout près des montagnes d'Ascor, qui marquent en fait la frontière avec le royaume des nains. Et c'est dans ces montagnes que Okino était parti chercher des mages noirs qui pourraient lui apprendre à mieux manipuler sa force magique. Mais donc, comme il arrivait à l'endroit où il était censé rencontrer les mages, il s'aperçut qu'un prêtre, un mage blanc, avait fait fuir tous les mages noirs. Il se présenta comme s'appelant Volker Molten. Visiblement, tous les mages noirs s'étaient enfuis de peur que ce prêtre n'abatte sur eux la fureur des chevaliers de la religion. Okino était un peu furieux, mais finalement il se calma et décida de faire un petit bout de chemin avec le prêtre que sa déesse avait appelé à l'aventure, mais qui ne savait pas précisément où aller. Et donc, un peu plus tard, ils ont vu débarquer dans leur campement un loup-garou même, qui était blessé, plusieurs flèches dans le dos et des plaies. Ce loup-garou était fou furieux et il essaya de les tuer. Mais in extremis, ils réussirent à ne pas s'entretuer et à le calmer.
le loup-garou se présenta, il s'appelait Spiritus Wolfis, et lui fuyait depuis des jours, car il était traqué par des chasseurs de loup-garous, qui étaient bien décidés à le tuer. Faut savoir que déjà, il parle humain. Enfin, il parle... Ah bah, oui. Évidemment. Il a vécu avec des parents marchands. Et, en fait, il faut savoir que tous les habitants de ce monde quasiment connaissent au moins des bases d'un langage quasiment universel, qui est celui de l'Empire Draconique. Mais bref. Et donc, ils ont décidé de voyager avec ce loup qui était perdu, blessé et traqué, et qui pouvait tout de même devenir un formidable allié en cas de combat. Donc, ils ont commencé à voyager tous les trois. Et puis, un soir, comme ils montaient le camp, ils se sont aperçus qu'un voleur était en train d'essayer de voler leur besace et leur cheval. Mon cheval. Cheval d'Okino qui, au passage, a été volé à un vieil homme, à ce qui paraît. Ouais. Et donc, ils ont... Et donc, j'ai appelé le cheval Epona. Spiritus a failli égorger ce voleur. Mais finalement, il a tellement supplié qu'ils ont fini par décider de l'épargner. Et le... Enfin, surtout Volker, en fait. Surtout Volker a insisté, vu qu'il était pacifiste. Ouais. Donc, l'assassin, Frost, qui n'avait de toute façon pas de but précis, décida de les suivre. En sachant que quand on a rencontré Spirit, j'ai voulu le carboniser pour nous nourrir. Et quand on a rencontré Frost, j'ai voulu faire la même chose. Bon, maintenant que t'as montré... Et oui, je suis cannibale, et alors ? Je suis tout le monde. Donc, voilà, c'est une longue intro, mon dieu. Le seul que je n'ai pas essayé de tuer directement, c'est Volker, parce que c'était aussi un peu un genre de mage, un prêtre. Donc maintenant, vous êtes toujours au pied de ces montagnes d'Ascor. Vous ne savez pas exactement où vous êtes, certainement à plusieurs jours de la ville la plus proche. La nuit est tombée depuis environ 2 heures. Et vous ne vous sentez pas complètement en sécurité, parce que vous vous dites que les chasseurs de loups-garous n'ont peut-être pas totalement abandonné leur traque. Donc vous devez peut-être être prudent. Mais apparemment, pour l'instant, rien ne semble annoncer que vous allez vous faire défoncer. Bah, alors, déjà, moi, ce qu'il faut vous dire, c'est que, avec CLB, quand ils étaient encore là, on avait, avec Spiritual, CLB et moi, à FNAX, on avait déjà commencé. Donc on sait à peu près ce qui va se passer, mais comment le MJ va-t-il rattraper ça pour faire une différence? On ne le sait pas du tout. Ah, mais alors... c'est les GT aussi qui vont faire la différence. Ah oui, donc ensuite... Ah oui, les GT. C'est nous la différence. C'est nous la différence. Et il y a aussi un petit nouveau hein, qui ne connaît pas trop l'histoire et qui peut la modifier. Tu dis ça, mais moi je suis arrivé, j'ai même pas fait 20 minutes de gameplay. Je précise qu'ici, on n'est que deux à vraiment... On n'est que deux à vraiment connaître l'univers de Dragonia, moi et Fanax. Et d'ailleurs, les enfants, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller sur www.worldofdragonia.url.ph. Je verrai pour mettre une annotation avec le nom du site. Hashtag produit gratuit. Très bien, donc on va déterminer un ordre de tour. C'est d'abord Spiritus qui va décider ce qu'il veut faire. Exemple dormir. Je vais aller tenter de monter un petit peu la garde. Quand même. Donc tu te positionnes par où? Par là. Je ne le dis pas directement, mais je pense que c'est une putain de mauvaise idée. À toi. Moi je vais aussi monter la garde par là. Il y en a qui doivent dormir aussi la nuit. Hein. Ouais, mais moi dormir. Les deux autres. Frost, tu décides de faire quoi? Bah en fait moi, tout ce que vous avez dit, j'aurais dit qu'il fallait pas le faire. Moi perso, j'aurais posé des pièges autour du campement, puisque. Oui, bah tu peux faire très ça. Bien, tu peux faire un peu des pièges. Mais occupe-toi du côté qu'on surveille pas. Tu as des pièges à ours que tu peux poser si tu veux. Occupe-toi du côté qu'on met pas. Ouais, t'es frais pièges. Bah alors, je vais mettre des pièges à ours dans les deux côtés où ils surveillent pas Okino et Spiritus. Donc, en gros, ici, et là. Et par là. Je sais pas. Donc, vous avez dit un là, c'est ça? Et un là? Ouais. Le cheval va marcher dessus. Non, le cheval, il est là. Plutôt là, l'autre. Oui, parce qu'il y a le cheval, et s'il s'approche du cheval, il va signaler. Et qu'est-ce que tu fais ensuite, Frost? Je dors. Très bien. Eh bien, tu dors. Et Volker... Toujours avoir une petite dague dans la poche, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ok, Volker. Alors, moi, je vais... dormir. Frost, non, pas exactement. Mais Frost, va ici pour dormir. Et étudier les environs, car vu que j'ai grandi en montagne, je peux savoir quoi. Ouais, mais t'as 75% de te faire tuer. On n'est pas loin de la terre de tes ancêtres ici. Tu te sens un peu chez toi. Frost, viens de ce côté pour dormir.
Ouais. Fanax, tu peux me bouger s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai que c'est à Fanax de le bouger. Question, est-ce que juste avant je peux étudier vite fait la topographie pour savoir d'où pourraient venir les éventuels ennemis? Ok, donc tu fais un petit tour, ça? Ouais, un petit tour. Premier lancé de la partie, apparemment, non? Bah attends, bah au lieu, bah si jamais il fait un petit tour, est-ce que je pourrais l'accompagner donc, Ouais, bien sûr. Oui, oui, accompagne-le, parce que lui c'est le premier à se faire tuer. Hein. Oui, oui. Donc, quel est cet endroit? En gros, vous êtes arrivé par là, ici, par cette route qui est en bas. Et donc, vous êtes arrivé par là sur un petit point un peu en hauteur, une sorte de petit promontoire. Donc, c'est pour ça que vous sentez un petit peu mieux, plus en sécurité. Donc, par ici, ça monte. Et au loin, vous voyez derrière les grandes montagnes d'Ascor qui s'élèvent. Bon, et donc, voyez que le relief est très, très, très bien fait. Hein. Ouais, ça va, on arrive à surpérer. Si on a une petite pente avec un chemin qui se perd dans les bois. Même pas un chemin d'ailleurs. Voilà, donc. A priori, vous pouvez venir voir le danger d'assez loin. D'accord. D'ailleurs, là, je suis en plein milieu d'une pente, à ce que je comprends. D'ailleurs. Oui, bah oui, c'est oui, un peu effectivement. Oui, on est sur un petit promontoire, en fait. Ouais. C'est pas comme si on venait de le dire. Et donc ensuite. Une production, là, il est en train de dégringoler. Non, ouais, c'est bon, là, je cours pas. Donc, bah, là, on a tout joué au final. D'accord. Donc, ensuite, sachant que bouge. Donc c'est à toi de jouer Fanax du coup. C'est à moi de jouer. Indirectement oui, parce que c'est toi qui choisis ce qui se passe une fois qu'on a tous fini notre tour. Ne commandez pas Dieu. Très bien. Donc pendant ce temps-là, plusieurs heures se passent. Vous entendez juste le chant des grillons, rien de bien. Et le chant des cires. Exactement. Et donc vous deux, Volker et Frost. Vous êtes endormi, vous n'entendez plus rien. Oh. Les deux autres, vous sommeillez un petit peu, mais votre attention demeure plus ou moins éveillée. Il va d'ailleurs falloir changer de tour de garde. Spiritus, fais-moi un test d'intelligence. D'être 100. 73. Aïe. Non, ça ne passe pas. Dommage. Alors pour Skype, je suis désolé, c'est moi d'ailleurs, je vais me mettre en ne pas déranger tout de suite. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Mais tout le monde ne pas déranger, tu sais. On ne met en ne pas déranger. Voilà. Désolé pour les deux messages. Ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. Donc je foire lamentablement. 73, effectivement, c'est plutôt pitoyable. Et donc ton attention baisse et finalement tu commences à t'assoupir. Ouais. À toi, Okino. Tu ne fais pas de test particulier. Par contre, tu peux décider d'aller te coucher éventuellement. Je me rends compte, je dois me rendre compte quand même, parce qu'un loup-garou ça fait du bruit quand ça commence à s'arrondir. je me rends compte, je vais aller observer du côté où il était. Très bien, donc tu te rends compte que le loup-garou est un peu affaissé contre le mur où il était censé monter la garde. Que fais-tu? Mais j'observe les alentours dans la zone, par là, tout ça. Par là. Une idée des tests de perception pour voir s'ils sont planqués. Donc je fais un test. Là. Tu peux tenter, oui. Un test de quoi? Perception, c'est de l'intelligence. Donc tu regardes dans cette zone. Intelligence, est-ce que j'ai un bonus en quoi que ce soit? Je crois pas. Non, je n'ai pas l'impression. Non. D'intelligence si c'est pour détecter l'énergie magique, ce qui n'est pas le cas. Donc, je te dirais si c'est... J'ai 60, 43, ça passe au lama. Ça passe. Et donc, tu tends l'oreille, tu sais distinguer quelque chose, mais là tu ne vois rien de vraiment particulier. Apparemment, il n'y a pas trop de monde qui passe sur la route en ce moment. Ah, ok. Ça paraît logique. En même temps, elle est un peu dans la nuit. Oui, mais c'est le meilleur moyen pour attaquer en retraite. Oui, comme donc, moi, quoi. Oui, c'est ça. Okino, ouais. Tu te sens quand même très, très fatigué. Tu sens que tu vas pas peut-être pas tarder à t'endormir comme Spiritus. Ah, je vais tout faire pour rester. Je vais rester éveillé le plus longtemps possible. Moi. Non, tu vas réveiller deux autres pour qu'ils prennent la relève. Vas-y, mets-nous des coups de taser. D'une certaine façon, moi, vivre d'ailleurs, tout seul, j'ai été réveillé par... À l'avenir, faudra que vous sachiez que quand vous dormez ou que vous êtes assommé, vous ne faites plus de suggestions, voilà. D'accord. Ok. Ou que vous êtes mort aussi. Mais là, je vais réveiller Frost et je vais continuer à monter la garde.
D'accord. Tu tant que je peux tenir éveillé, tant que je peux tenir éveillé, je le fais. Je vous rappelle que j'ai vécu seul dans les forêts et j'ai traversé la mer. Fuck you. Ok. Après, si tu penses que tu vas tenir, tu le fais. Donc tu réveilles Frost. Tiens. Bonsoir. je lui dis que j'ai pas. Je lui dis que j'ai pas encore observé dans ces environs là. Hop, là tout ce coin, en gros le coin derrière nous. Donc il serait bien d'y aller. Bah, je vais y aller. Bah, de toute façon, c'est pas moi, donc je suis nul. Ouais, là, je suis dans les vapes, moi. Donc voilà, il va monter la pizza. Il va monter la garde près du cheval. Ouais. Ok, pas de problème. Il donc, fait gaffe au piège aussi. Hein. Notre prêtre national d'or, notre loup-garou d'or aussi. Donc, Okino, toi, tu ne remarques toujours rien de particulier. Ok. Tu peux éventuellement tenter de regarder ce qu'il y a dans le coin, Frost. Bah, tu regardes. Mais bon, bah, là, c'est pas mon. C'est à lui de faire un dé, donc oui, le MJ lance. Oh, les dés du MJ. Oui. Je sais, je peux. Ouais. 76. Bravo. 76. Tu plies les yeux, tu essaies de déterminer s'il n'y a pas encore un voleur qui voudrait comme voler moi. Ce cheval. Moi, je me connais. Hein. Attends, il a pas des bonus, ça passe pas, t'es sûr? Ça s'affiche sous les yeux. Ça passe pas. Ok. Ouais. Très bien. Et donc la nuit. Sur ce, je vais aller me suicider. Au revoir. La nuit se passe. C'est un ennui absolument mortel. Et l'aube arrive. Ah. Donc. Le soleil se lève. Tu sais ce qui te reste à. Alors, je t'aurais pu t'en occuper. Okino, tu t'es endormi pendant la nuit, évidemment. Oui, bon, je savais que j'allais finir par m'endormir. What the fuck? Donc là, Spiritus est toujours affalé. Okino, tu dors. Frost, t'es assez fatigué, mais. Ça va, t'es moins encore ça. Éveillé. Le gars se réveille tranquillement. Bon, j'ai bien dormi, moi. Donc, je le sens mal, ça se passe pas comme la dernière fois. Ouais, tellement. Très bien. Je sens qu'il y a un truc qui cloche là, qu'il y a un petit truc là. Et je sais surtout un truc, c'est que des chasseurs de loups-garous, ils abandonnent pas comme ça. Ouais. Très bien, Okino. Sinon, le spoil, ça va, tranquille. Donc, Okino. Ouais, non, on l'a dit ça avant, c'est toujours, comme ça qu'on l'a trouvé. Mais, donc tu finis par te réveiller au bout d'un moment. Ok. Et que fais-tu? Je dors. Je regarde les alentours, je vais au niveau de la route. De la route en dessous. Ok, ouais. Bah vas-y. Problème. Et je regarde tout autour de moi, vraiment. Fais-moi un test d'intelligence. Ok. Attends, est-ce que je peux regarder autour? 21, ça passe. 21, ça. Et donc, tu regardes un petit peu dans cette direction-là, derrière ce buisson. Ouais. Et tu entends comme un froissement de tissu. Que fais-tu? Taser. T'as tout compris. Je balance ma foudre directement dans l'arbre. Premier sort du jeu. Allez. Très bien. Donc sans sommation, tu tires dedans. Ouais, sans sommation. Aucun problème. Vas-y. Donc attends. Donc c'est un test de quoi? Un test d'intelligence. Ok. Je lance. C'est un éclair mineur, du coup. Je lance un éclair mineur. Et là, il y a le prêtre qui se réveille, il se prend un gros coup de taser. Donc, intelligence, est-ce que j'ai le moindre bonus? Je ne crois pas. Il est quand même loin. Okay. Non, je n'ai pas de bonus pour ça. Un bonus de 15% en foudre, il me semble. En foudre? Ah oui, peut-être 15% en foudre, ouais, je vais vérifier. Ah, 10% pour l'essor de foudre. Bah, vas-y. Donc, ça me fait un total de. Vu que j'en ai 60, ça me fait 70. Allez, vas-y. Allez, on y va. Et c'est parti, premier sort d'attaque. Et ça passe! Ça passe. Félicitations. C'est là où c'était juste pour le mage a eu chaud. Voilà. Très bien, donc tu es extrêmement stressé, Okino. Tu n'as pas arrêté de. Tu n'as quasiment pas arrêté de veiller de la nuit. Tu es vraiment très nerveux et très fatigué. Et surtout, je suis un gros fils de pute. D'avoir arrêté de monter la garde. Donc dès que tu entends un bruit. Tu perds tout ton sang-froid et tu envoies un violent éclair dans l'arbre. Donc 1 des 6. 4 plus 1. Très bien. Donc ça fait 5. Tu entends un cri très aigu, déchirant. Et là, tu vois
un pigeon qui tombe de l'arbre carbonique et s'écrase par terre. Ça nous fait de la bouffe. Là, t'as Okino qui arrive avec le pigeon. Bon bah j'ai trouvé le petit déj, mec. Très bien. Ouais bah là du coup oui bah je finis mon tour en rapprochant, j'ai perdu 4 points de magie. Comment j'ai... La violence c'est mal gros. Ouais mais au moins on a un petit déj. Et il est déjà cuit, j'ai pas besoin de le cuisiner. Hey là, tu te regardes bizarrement j'imagine. C'est mon rôle d'habitude. Spiritus à toi, donc Okino vient de balancer un éclair mais apparemment ça ne représente pas de danger. Tu peux tenter un test de perception encore une fois. Ouais, allez, au pire. Oh. 25, ça passe, j'ai trop de 25 en intelligence. Et donc, au moment précis où Okino commence à charger son éclair, tu entends plutôt dans cette direction un petit oh! Comme si quelqu'un avait été surpris par cet éclair. Surprise, motherfucker! Les mecs, tu n'as absolument pas le temps de réagir. Tu entends une sorte de sifflement et tu ressens une peur à l'épaule. Quoi ? Une violente douleur à l'épaule. Oh le lézard il est déjà là. Oh mon dieu l'araignée. Tu ne vois absolument rien, mais tu as juste entendu un sifflement et une violente douleur. Que fais-tu ? Je préviens les autres, les mecs je crois qu'on va pas tarder à avoir des ennuis. Bah cool, ah moi je dors. bah ok, bah Frost. À moi là du coup. Ouais. Bah. T'es en train de. Tiens d'ailleurs, est-ce que je vois rien au niveau de Spirit Wolf parce que du coup je regarde dans sa direction. Bah logiquement moi je vais regarder dans la direction de Okino et là je vois. Anian Cast. Non. Tu vois le loup. Mais là bah je vois. Bah, tu vois le loup qui hurle en fait. En quelque je sorte. Je vois un loup qui hurle. Mais c'est pas sur la tête. Si. Ah si c'est. Ah si. Mais non mais je regarde Okino, je parle. Mais tu le vois, je suis dans son. Je... Ouais, bah tu... oui. On est dans le champ de vision, hein. Tu me vois en même temps. Et là, je vois. Non, mais du coup, je vois quoi. Bref, tu me vois avoir une. En gros, tu vois simplement Spiritus qui est à côté de la petite maison en ruine où vous campez et donc qui se tient l'épaule comme s'il avait très mal et qui hurle. Attention, ah bah alors. Je crois qu'on va pas tarder à avoir des ennuis, mais tu ne vois pas d'ennuis en vue. Sifflement. Bah je cours vers. Les chiens ont tendance à être affectés par les sifflements. Loup-garou proche des chiens, on est dans la merde. Ouais, mais là c'est moi qui parle en fait. Ouais, vas-y, fonce vers lui. Du coup là je fonce vers lui. Okay. Bah je le saute, je saute devant lui ou bah pour voir, je sors mes deux dagues dans les poches, voilà. Okay. Et bah tu passes devant. De voir. Voilà, ouais, donc tu déboules en trombe et tu ne vois absolument rien. Ouais, voilà. Tu ne vois pas où pourrait être ce danger. Volker. Oui. Tout ça t'a réveillé depuis un certain temps. Un éclair. Un éclair, un loup-garou qui hurle. Oh, pas chier, truc. Donc tes compagnons ont l'air vraiment très très tendus avec les armes sorties. Tu te doutes qu'il y a un problème. D'accord. Bon, je vais reprendre moi ma sieste. Je vais me mettre à peu près ici, de toute façon à avoir une vue sur la zone qui surveille pas. Ou dans cette zone là. Parce que je suppose que je peux voir. Ouais, retourne ton pion en cliquant sur le petit carré qu'il y a. Je peux voir à peu près ici, non ? Ouais, tout à fait. Tu vois en contrebas quoi. Pour retourner ton pion, tu vois quand tu le sélectionnes, t'as un petit carré qui dépasse. C'est déjà fait. Ouais. Donc, connaissant les lieux, je suppose que le danger pourrait venir entre guillemets de ces trois là. Et je décide entre guillemets de regarder si je peux pas voir quelque chose bouger ou quelque chose. Très bien. Ou, donc, test d'intelligence encore. Ouais, test d'intelligence. D'accord. Il a pas de bonus ? Non, il a pas de bonus particulier en perception. Il a combien du coup ? Mais peut-être sa connaissance des lieux peut lui octroyer un bonus, de 5-10%. Allez, on va être gentil, voilà. Un bonus c'est de 5. De 5, ouais, donc dès de 100. Je suppose que c'est ça, ouais. 63, je crois que ça passe. Avec un bonus de 5. Je sais que logiquement ça passe. Moi j'ai 60 d'intelligence, je vais regarder. Ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc je suis plus intelligent qu'un prêtre. Youpi ! Donc tu essaies de voir, tu vois que les branchages s'agitent un peu comme s'ils étaient agités par le vent, mais tu distingues pas vraiment de choses inquiétantes. Je vous signale que je suis le seul à avoir réussi mes lancers jusqu'à maintenant. Hein. Ah non, il y a Spirit Wolf aussi. Spirit Wolf. Je tiens à préciser, mon prêtre. Donc Spirit Wolf. Donc évidemment, depuis le temps, tu as un petit peu jeté un coup d'œil et tu vois que c'est comme une petite fléchette en bois qui s'est plantée dans ton épaule. D'accord. Une toute petite fléchette de quelques centimètres. D'accord.
Bon, bah là, du coup, c'est toi qui vois ce qui se passe, Fanax. C'est ta Spirit Wolf. Ah, c'est la Spirit Wolf, ouais. Ah oui. J'ai plus la liste. T'as plus la liste des trucs de rôle là? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, t'es sûr? Bah, du coup. Ah ouais. Non, je suis juste pour conseiller quelque chose à. Je pourrais lui conseiller quelque chose à Spiritus? Oui, vas-y. Bah, que tu te retournes comme ça, au moins on aura un meilleur champ de visuel parce que là tu me regardes en mode je vais mourir! Non, décale-toi! Ouais, je me décale comme ça. Moi je comprends qu'il y a quelque chose, moi je comprends très vite aussi qu'il y a quelque chose. Ça doit mal à l'épaule, mais ça doit pas être grand chose quoi. Donc, Alors qu'est-ce que elle est probablement empoisonnée, hein, Spirit, tu te rappelles. Bah, je vais retenter un test d'intelligence pour essayer de revoir s'il y a vraiment quelqu'un. Ok. Pas de problème. Allons-y! Allons-y. 62, putain. Ça fail. Et donc, étonnamment, ça passe, puisque celui-là était quand même très facile. Ah oui, il a plus de vision que nous. Et donc, tu vois comme une silhouette encapuchonnée, que tu distingues quasiment pas, qui est derrière cet arbre, et qui quitte l'abri des feuillages pour tenter de partir dans cette direction. De où tu parles, t'as pas de pingé. Ouais, t'as pas pingé. Si, en haut à droite. Ah, par là. J'avais pas vu. Par là. Il est sorti du. Par là, voilà, c'est Fanax. Il est sorti du feuillage, ouais. Vous voyez pas mon ping? Non, on le voit pas. Non, on le voit pas ton ping. Attends, comme ça vous le voyez? Ah oui. Oui, là on voilà. Le voit. Non, j'étais sur le truc du MJ, donc on peut pas. Ah oui, là c'est mieux. Donc, Okino. Bah, moi je comprends déjà que le truc vient de là. Très vite. Oui. Spirit Wolf qui s'y retourne. Donc je comprends que ça vient de là. Donc je me rapproche à sa place. Et juste pour me racheter de l'oiseau, je tire encore un éclair. Si tu tires un éclair, c'est... ça arrivera maximum là. Ah d'accord. Donc, ouais, non, bah, assez de distance quand même. Non, je tente un test. Si tu ton ennemi, ça te sert à rien. Je me rapproche en même temps de tenter un test de perception. Donc, okay. Je me rapproche, j'arrive à peu près où? Là? Ouais, tu descends un peu dans la pente. Et je lance un test perception. 45, ça passe. Oh. Et donc tu vois la silhouette qui part par là. Elle est pressée, elle jette de fréquents regards derrière elle. Elle voit que tu t'approches et elle se précipite encore plus. C'est pas tout, mais tout ça sans le piège. Je continue ma course, donc je finis la descente. Ah, j'en ai marre d'ouvrir ce truc. Voilà, donc je finis la descente et je continue ma course à la poursuite. Ok, il court après. Frost, donc tu as fait Spiritus en haut de la pente. Bah, j'essaie de le protéger au mieux quoi, parce que. Alors, je crois que ça va être bientôt la fin du premier épisode. On en est à 27 minutes, on va faire des épisodes de 30. Très bien. Okay. Donc. Très bien, donc Frost, que fais-tu pour ce dernier tour? Pour le dernier tour, attendez. À la limite, je sais pas si je pourrais plus protéger Spirit parce que là il est vulnérable. Ouais, bah, je vais plutôt protéger Spirit. C'est une flèche de quelques centimètres, ça va pas me tuer. Ah, c'est une simple fléchette qui t'a à peine fait. Je vais aller rejoindre Okino du coup. Ouais, je demande quand même, Spirit Wolf, tu demanderas à Volker de venir te voir. De toute façon, j'entends les hurlements, donc. Oui, j'entends tout le monde qui se. J'entends tout le monde qui hurle, une personne qui est en train de courir, plus. Deux personnes qui courent, plus le. L'autre. Okino et Frost qui sont en train de courir vers cette personne-là, et Spirit Wolf qui a pas bougé. Oh non, donc. Ça va, mais il y a personne. Entre guillemets, je vais me diriger direct vers ce personnage-là. Vers où? On voit pas. Par ici, là, je pense. Ouais, ouais, donc, ouais, tu peux y aller. Donc tu peux diriger. Alors sachant que pour pinguer, il faut rester appuyé. Hein. Faut rester appuyé sur le clic en fait. Donc le plus vite possible vers Spirit. Mmh. Et en approchant, je remarque qu'il y a une flèche, donc je me mets à courir deux fois plus vite. Très bien. Ouais. Et donc tout le monde est un petit peu en train de courir. Sauf Spirit Wolf qui bouge pas. Courir sauf Spirit qui regarde. D'un air assez effrayé, la petite fléchette qu'il a dans le bras. Parce que c'est des chasseurs de loups-garous, ils peuvent pas avoir lancé une simple fléchette. En plus, ça se trouve, elle est empoisonnée, donc ouais. Ça se trouve, c'est du tulou. Ouais. Et donc, pendant ce temps-là, la silhouette continue de courir donc vers les arbres, vers la forêt, au-delà de votre champ de vision, et vous entendez au loin un violent sifflement, comme celui d'un animal en colère.
Bah on sait ce que c'est, nous. Et on continue à se rapprocher. Chérie, c'est là. Ouais, donc c'est ainsi que s'achève ce premier épisode. Ouais. Et donc, c'était Tinjoff. Spiritwolf. Frost Blood, pour vous servir. Folker. Et Mr. Fanax, MJ. Bye!